François Hollande. À quoi ressemble François Hollande? C'est exact, Francis. Il ressemble à un lombric. Or, que se passe-t-il si on largue un lombric d'une fusée spatiale de la mésosphère? Il subit un émerua. Attendez. Émerua rime avec caca. Or, le caca est le résidu de la digestion. Oh mon Dieu. Les agriculteurs utilisent du caca pour produire du blé, pour faire du pain pour le donner à François Hollande. Bon, que voyez-vous sur cette photo? Exact, des salsifis. Les salsifis sont un bien de consommation comme le Nutella. Nutella. L'huile de palme et le sucre composent à plus de 72% le Nutella. 72%. François contient une lettre or 72-8 égale 64 et François Hollande a été élu à 51,64%. Or 64 égale 64. Un hasard? J'en doute. Que savons-nous d'autre sur François Hollande? Nous savons qu'il a mangé le respect. Pourquoi avoir mangé le respect? Vous ne le savez pas, n'est-ce pas? Eh bien c'est très simple. Dans son testament envoyé à Denis, John Cena avait demandé à Hollande de détruire le respect pour aider les Diola à vendre les abricots magiques. Cependant, n'ayant pas la force pour le détruire, il le mangea. Il est temps de dévoiler le complot. François, ayant mangé le respect, souhaite partir en vaisseau spatial larguer des lombrics au Nutella à une vitesse supersonique grâce au MRUA sur la tête de Nicolas Sarkozy, pour qu'il puisse gagner avec 51,64% et ainsi permettre aux Illuminati de gouverner la France. François Hollande est donc un Illuminati confirmé.